Togo Info, le Togo à votre portée. Vous avez bien vu qu'on ne joue pas en blanc-blanc. On a saisi la Cour constitutionnelle et l'affaire n'est pas terminée. Non pas parce qu'on a peur du candidat, il faut l'essayer. Non, parce que la loi doit être respectée, parce que le droit doit être dit. Il y a beaucoup de désordres juridiques autour. Et vous le savez. Vous savez bien que la Cour constitutionnelle actuelle est illégale. Elle fonctionne, elle fonctionne. Bon, si tu en parles, on dit, ah, oh, vous avez dit ça une fois, deux fois. J'ai même entendu dire que Fabre savait qu'il allait être député, mais il sait quand même, ce sont des raisonnements, ça. Est-ce que Fab a raison de dire ceci? Oui. Est-ce que Fab a raison? Non, c'est tout. Mais je vous dis, l'affaire n'est pas terminée. Deux requêtes, deux sont déposées à la Cour de justice de la CEDEAO, déjà déposées. Je vous dis, ça fait 8 mois, 9 mois, qu'on est sur cette affaire, c'est pas de la blague. Oui, moi, depuis mai, j'ai saisi, on m'a dit, tu n'as pas le droit. J'ai dit, bon, j'attends d'être candidat. Vous savez, on va voir si je n'ai pas le droit. Maintenant, on ne me dit pas que je n'ai pas le droit. On dit, bon, c'est plus, il n'y a rien à voir. On va voir ce qu'on va dire la Cour de justice de la CEDEAO. Donc, je reviens à cette affaire. Ce qu'il y a à faire au Togo, tout le monde le sait. Il ne faut pas être grand clair pour le savoir. Il y a une chose, il faut que l'État de droit ait été. Le Togo est un État de non-droit, une source de non-droit. Et vous le savez tous, la loi, c'est fait pour les autres. Le gouvernement, lui, il est au-dessus de la loi. Et ça, mon programme de campagne 2010, je l'ai dit, première préoccupation, état de droit. Ceux qui, parmi vous, ont une bonne mémoire doivent s'en souvenir. J'ai dit, il y a tout avec ses sens, état de droit. Le reste,